pistachier lentisque est un produit forestier non ligneux, apprécié par les habitants des zones forestières tunisiennes. En plus de ses usages culinaires, l'huile de lentisque est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement des ulcères de l'estomac et de la toux et de la cicatrisation de certaines plaies. Cette huile constitue un produit à haute valeur nutritionnelle et joue un rôle socio-économique important en contribuant à l'amélioration des revenus des ménages dans certaines zones forestières. Le créneau est considéré rentable et parfois plus intéressant que la production des huiles essentielles. L'extraction de cette huile est effectuée exclusivement par des femmes, selon une méthode traditionnelle héritée de mère en fille. Toutefois, il existe quelques difficultés de commercialisation et des problèmes liés à la méthode d'extraction qui se voient non ergonomiques et qui donnent un rendement faible en huile et de mauvaise qualité. Des études précédentes ainsi que d'autres en cours d'exécution à l'INGREF par la doctorante Fethen Mesni, sous l'encadrement du docteur Abdelhamid Khaldi, œuvrent pour l'amélioration des techniques de la récolte des fruits, de l'extraction de l'huile fixe ainsi que pour sa valorisation. Les étapes pour l'obtention de l'huile lentisque sont les suivantes. Les fruits du lentisque sont broyés à l'aide d'un hachoir ordinaire ou électrique. Le malaxage. La pâte obtenue est ensuite homogénéisée dans un mamari, manuellement par une spatule permettant de réunir les gouttelettes d'huile et facilitant ainsi la séparation future des phases. La presse. Le broyat est soumis à l'action d'une presse hydraulique ou manuelle afin de séparer la phase liquide des tourteaux. Le jus obtenu est laissé au repos, l'huile remonte à la surface et elle est ensuite récupérée. Généralement, la production annuelle est de 30 à 40 litres par ménage. Le prix d'un litre varie entre 30 et 70 dinars.